Oui, Nino Sylvester, Mr. Cushu, je suis un Nino de Mingue. Je pourrais pas dire que je viens de loin parce que je viens juste du Québec, puis pour moi, 9h, 10h de route, c'est comme... c'est pas si loin que ça. Si j'aurais venu d'un autre pays, là, j'aurais... je dirais que je viens de loin. Il faut que tu partes loin si tu veux te faire connaître. Ça, par exemple. Pour moi, là, quand je comprends loin des yeux, loin du cœur, je pense direct à mes enfants parce que j'espère... je regrette de perdre les moments que j'aurais pu voir avec mes enfants. Je les vois pas grandir, puis ça m'affecte pareil. C'est comme ça que je comprends la phrase. Mes enfants, je les vois pas assez souvent, puis j'aimerais ça. Je peux pas les forcer à venir me voir. Ils sont encore petits. Quand ils vont comprendre, les autres, quand ils vont être grands, ils vont vouloir sûrement venir me voir. J'ai jamais vraiment souffert d'être loin de la ville. Je suis quand même assez bien. Là. C'est tranquille, là, mon village. On m'a souvent dit pourquoi je faisais pas des chansons qui parlaient du bois, de Noutumi. Mais je peux pas chanter vu que moi, je connais pas vraiment les mots, je connais pas les places dans le bois. J'ai pas vraiment été souvent dans le bois. Quand quelque chose m'arrive de nouveau, ben, je sais pas où ça m'inspire. Mettons qu'il m'arrive de quoi, où je vois quelque chose, on dirait que ce serait bon peut-être que je fasse une toune sur ça. C'est là que je commence de même, dans le fond. Pour me rapprocher de mes amis puis de mes enfants, ben, c'est sûr, j'utilise le téléphone, Internet, puis c'est comme ça on se donne des nouvelles. C'est sûr, j'aimerais mieux les voir face à face, mais au moins, je sais quand ils me sourient, ça me fait déjà du bien. Ou bien d'entendre un ami, déjà, ça te donne le sourire dans la face.